Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue sur le quatrième chapitre de Araya. Et je sais que vous l'attendiez les crocs, hein, je le vois dans vos commentaires, vous êtes hypés pour ce jeu, c'est un truc de malade. En tout cas moi aussi, du coup quatrième chapitre, nous allons réincarner Marisa qu'on a incarné dans le premier chapitre au tout début du jeu. Souvenez-vous, elle s'est faite kidnapper par le mec satanique dans l'ascenseur. Et là, on la revoit sur une chaise roulante. Elle se réveille. Et que se passe-t-il? Nous ne savons pas. Donc on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo, les crocs. C'est parti! Ouch! My head hurts. What happened to me? Where am I? Ok, les crocs, donc c'est parti. Alors, F to turn the flashlight. Ah, on a la petite lampe torche. Donc on se réveille, comme je vous l'ai dit, sur cette chaise. Après avoir été kidnappé par le méchant sataniste qui veut faire des rituels bizarres dans cet hôpital. Donc c'est parti. Ok, donc déjà il fait très 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 sombre. On va essayer d'aller par là. Explore this floor. Explorer cet étage. Bien. Ça me va. Bon Marisa, je compte sur toi pour essayer de t'échapper de cet endroit. What the fuck, c'était quoi ce bruit? Putain, ça commence. Me dis pas que c'était cette chaise roulante qui a bougé devant moi là. Non, 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 non. Pourquoi les chaises roulantes sont attirées par Marisa? Ça, on ne le sait pas. Ah, téléphone. On va aller voir ça. Ici. E2 pick up. Hello, who is it? Can you come out? We have to talk. No, I'm not going. Please come. I'm sorry? No, I'm not going. Araya, wait. Ok, donc c'est Araya qui est en train de parler avec quelqu'un. Ok. Hein? D'accord, donc ça parle de Araya qui a fait une dépression. Ok. Le 11 juin 2014. Très bien, très bien, très bien. Bon, à mon avis, on va la recroiser dans ce chapitre, c'est même certain. Donc je fais gaffe. Je fais gaffe à moi avec Rose. Ok, donc cette porte vient de s'ouvrir, on y va. On y va, on y va, on y va. Oh là là, il fait tellement noir. Ok. Ah oui, d'accord, ah oui. Ah oui, effectivement, c'est très sympathique dans le coin. Il y a une très bonne ambiance en tout cas, on s'amuse bien. Waouh. Putain, y'a... Qu'est-ce que c'est moi qui ai fait ça, là? Il vient d'avoir un bruit. S'il y a un de ces trucs qui se réveille les crocs, j'arrête cette vidéo. Mon dieu que c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est des corps humains, mais momifiés, on dirait. On dirait des momies. Mais qu'est-ce qu'on fout, là? Bon, attendez. Bon, ils ont... Oh là là, regardez-moi tous ces cadavres, là, putain! Ok, donc ici, il y a clairement eu des trucs très chelous. On va éviter de savoir ce qui s'est passé. On va vite partir. Oh la vache. C'était très glauque. C'était très très glauque. Araya! Araya, come back. There are too many creepy people here. Let's get the hell out of here. Oh la vache. Donc on est toujours en train de suivre Araya. C'est un certificat de décès. La seule chose qui peut être lue... C'est que la personne est morte d'un cancer, d'accord. Eh bien. Why are you calling me again? I know you're mad. I'm sorry. Come back to me. Please. Please say something. I don't like it when you shut me out. Honey. Please. La porte vient de s'ouvrir. Is there anything else? I'm going to bed. Can I see you tomorrow? No. Ok, donc c'est encore une fois Araya qui est en train de parler à quelqu'un. J'imagine que c'est son mec. Et j'ai une petite théorie. Enfin, moi, je pense que c'est Rama. Je pense qu'Araya est en train de parler à Rama dans ses conversations téléphoniques. Bref, j'en sais rien. En tout cas, Araya est juste devant nous, là. Araya, where are you taking me? Ok. Alors par contre, il y a un petit problème avec moi, c'est que je ne sais toujours pas si
Marisa, celle qu'on incarne là, est la sœur ou une amie de Araya, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont un lien très proche, mais je ne sais pas si c'est des liens de famille ou d'amis, je ne sais pas. Ok, il y a encore une lettre ici. Ok, d'accord. Super Glock. Ok, on a une note sur le... This is bad. Very bad. I feel like there's another person inside my head. It's like they're trying to come out. So much hate and anger. I almost hit Marissa today. Marissa, I want you to know that person wasn't me. I'm so sorry. I will contain it, I promise. Ok donc... Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? Non, je suis bloqué, aidez-moi! Oh putain. Non, ça va recommencer, ils vont nous refaire le coup du... d'être assis et qu'il va se passer des trucs autour de nous, bordel, non! Ok, bon. Araya, je compte sur toi, t'es de la famille, en tout cas t'es une très bonne amie à moi, donc... Fais pas la pute, Araya. Fais pas la pute. Marissa? Oh, elle est là! Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là! Oh mon dieu, ça va me sauter à la gueule. Il fait tout noir. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. I hate all of you! J'aime pas du tout ça avec Rose. Oh là là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est dans le coin là. Elle est. Putain, elle vient de disparaître. Je suis en train de flipper, ça va me sauter dessus, je le sens. Putain de merde! Je vais me chier dessus, les crozes. Ça va pas être beau à voir. Ça va pas être beau à voir. Je peux rien faire. Oh la vache. Ok. La porte. Non. C'est horrible. Allume ta lampe. Get away from me. Ok. Bon, je m'y attendais un peu, donc ça va, mais putain. Alors, il faut savoir un truc, par contre, c'est que ce jeu est totalement compatible avec l'Oculus Rift, le casque de réalité augmentée. Et le jeu a été fait à partir de ça, donc imaginez un peu de faire, de revivre cette scène avec l'Oculus Rift. Oh la vache! Mais c'est horrible! Ah ok, je me suis fait téléporter. Non, c'est bon. D'accord. Game saved. Oh, yes! C'est bon. Oh, c'est bon. Je pensais être bloqué, mais pas du tout. Alors, attendez. Quoi? Quoi? Non! Non! Non. Je me retourne pas. Oh putain. Le chapitre 4 est déjà fini. Ah, on retrouve Rama. Rama est toujours en vie, les creuses. C'est pas une tronçonneuse. Ok. Waouh. Eh bien écoutez, Cross, c'est déjà la fin de ce chapitre 4, il était très court, comparé aux autres. Mais, il n'en reste pas moins très bon. Eh oui. Donc dans le chapitre 5, on va réincarner Rama. Je sais pas si Marisa meurt à la fin. En tout cas, elle se fait pousser dans la cage d'ascenseur, donc c'est une très longue chute. Donc à mon avis, logiquement elle devrait être morte, mais j'espère vraiment pas, ça me ferait vraiment chier. Bref, on réincarne Rama donc dans le chapitre 5, ça va être complètement énorme. Merci les crosses d'avoir
Regardez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait très plaisir si vous appréciez toujours autant ce let's play, cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le chapitre 5, donc. Sur ce, les crosses, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao !